Julie Lamontagne au piano, mesdames et messieurs. Et c'est le merveilleux moment du merveilleux piano à gogo. Et ce soir, on a avec nous une animatrice et aussi une amoureuse de la musique, une amoureuse des artistes, Rebecca Pennen, mesdames et messieurs. Et je suis vraiment content de te recevoir à l'émission. C'est la première fois. Parce que je suis un fan, parce qu'on dit souvent que j'ai aidé beaucoup la musique, puis la nouvelle musique, puis les ethnies, puis tout ça. Premièrement, c'est pas moi, c'est toute mon équipe. Et Rebecca, de son côté, a fait la même chose, autant sinon plus que moi. Non, vraiment, je l'aime beaucoup. C'est gentil de le souligner. Oui, parce que c'est vrai. Rebecca, c'est comme, tu sais, il y a quelqu'un qui me joue dans le dos. Et c'est pas la personne que je voulais. Rebecca, c'est comme la sœur que j'ai jamais eue. Pas moi, non. OK, alors ce soir, tu vas nous faire... Je vais faire des chansons, mais j'aimerais juste dire que je suis vraiment terrorisée. Oui. Mais je suis pas partie pendant la pause comme prévu, même si je suis stationnée en face. Puis oui. Je reste ici, puis je vais chanter du mieux que je peux. T'as pas... Faut que j'aille. T'as pas du tout à être terrorisée. Okay. Sérieusement, je t'ai entendu cet après-midi. Ah, monsieur, oh non. Et non, t'as pas du tout. La semaine passée, on a eu Mélanie Ménard. Et elle a fait du jazz. Oui, elle a chanté dans des univers et on a eu énormément de plaisir. Alors, tu peux faire ce moi, que tu veux. Du pop. On s'amuse, tout le monde, facile. On chante avec elle, on s'amuse, OK? Un succès de Ariane Moffat. On oui. Commence avec ça. Je veux tout. Pourquoi? Parce que Ariane et moi, j'ai l'impression qu'on a grandi ensemble un peu. Quand j'ai ouais. commencé à Musique Plus, elle venait de sortir son premier album, puis au fil des ans, on se croisait tout le temps. Puis c'est vraiment avec ce disque-là, Tous les sens, que je trouve que la femme, l'artiste, tout s'est cristallisé avec ce disque-là. Puis cette chanson-là, ça a été la chanson d'année aussi au Gala de la Disque. Donc, il oui. n'y a pas d'excuse. Tout le monde peut chanter avec moi. Je veux tout. OK. On va passer avec une très belle chanson des trois accords. Oui. Le bureau du médecin, pourquoi? On change de registre ici. J'aime beaucoup les trois accords, je les trouve drôles, mais cette chanson-là, c'est la seule chanson des trois accords qui me fait pleurer. Puis ça, c'est beaucoup dû grâce à mon chum qui est assis quelque part là-bas, DJ champion Maxime Morin, qui a été malade, qui a eu le cancer, qui est maintenant en rémission. Et quand on a entendu cette chanson-là, on a fondu en larmes. Parce que Simon Prou, il a mis le doigt dessus, sur l'émotion. Puis tous ceux qui ont séjourné à l'hôpital, qui ont été hospitalisés, qui ont un membre de leur famille, des amis, vous allez écouter cette chanson-là. Pas de la façon dont moi je la chante. Il n'y a pas d'émotion dans ce que je chante. Mais dans la vraie version, c'est vraiment très touchant. Allez vous acheter le disque. Le bureau du médecin. Bon sens du mot. Attention, ça va être aigu ici. Parle-moi
Bravo, Rebecca. On continue avec une chanson d'Alex Nevsky que oui, je ne connaissais pas. On leur a fait croire. Alex Nevsky, c'est déjà son deuxième album. C'est un gars originaire de Granby qui a déjà été une révélation. Ouh, Granby! Révélation Radio-Canada Musique. C'est son deuxième album. Je trouve qu'avec son deuxième disque qui vient tout juste de sortir, c'est un pas de géant qui vient de franchir. Puis cette chanson-là est facile. Il y a des pa-pa-pa-pa-pa. Si vous écoutez peut-être la télé à un autre réseau, des fois, vous l'avez peut-être entendu aussi. Okay. À vous de découvrir quel réseau. Pa-pa-pa-pa-pa. Dépêche Mode, Enjoy the Silence, pourquoi? Ben, parce que c'est un groupe un peu quétaine, mais que j'aime beaucoup. Moi, je suis très dans la nostalgie parfois. Je viens d'aller les voir au Centre Bell. Tout le monde a vu au moins une fois Dépêche Mode dans Pilou! Sa vie. Ah! Ça, c'est chiant de me faire chanter avec Pilou en pensant. Non, écoute, ça va être le fun. Je sais, ça va être le fun. Donc c'est ça, moi, c'est pas particulièrement mon adolescence, mais quand on va les voir au Centre Bell, tout le monde est comme ça, tout le monde sait comment faire. On suit Dave Gann, puis ses petits moves d'ange. Vous savez de quoi je parle? OK. La carotte. Hein? OK, ben on écoute Enjoy the Silence. C'est tough à chanter, par exemple. Hein? C'est tough à chanter. Ouais, mais c'est pour ça que je c'est ça qui est là. Vous la connaissez, par exemple? Vous la chantez avec moi? Words like silence, break the silence, come crashing in into my little world. Painful to me, pierce right through me. Can't you understand? Oh, my little girl. All I ever wanted, all I ever needed is here in my arms. Words are very unnecessary. They can only do harm. Vows are spoken to be broken. Feelings are intense. Words are trivial. Pleasures remain. Merci Pilou, surtout que Pilou il a travaillé, ça fait comme deux nuits qu'il dort pas et il fait à peu près 117 de fièvre. Absolument. Il sait même pas qu'il est ici. Non. Je pense qu'il pense qu'il est dans les squelettes dans le placard. Je sais pas ce qu'il est rendu. OK, tu chantes une chanson de Barbu, les Denis Drolet. Les Denis Drolet. Oui, t'es aime, moi aussi je les adore. Moi je les aime, les Denis Drolet, mais j'aime surtout un sketch en particulier. D'ailleurs, je sais pas lequel est lequel, il y a Denis Palette, puis oui, il y a Denis Barbu. Oui. Mais Denis Barbu, il fait le personnage du professeur d'anglais. Est-ce que vous l'avez déjà vu ce sketch-là? Il est habillé en femme, puis tout ce qu'il fait, c'est crier hystériquement « Speak in English! » Oui, ça vous dit quelque chose? Ça me fait mourir! Merci, Pilou! Ben, c'est le fun de voir qu'on a des drogués dans l'assistance! Ça me fait mourir de rire! Et donc, en chanson, je trouve ça drôle aussi. Okay. Mais elle est vraiment dure à chanter, fait que là, je vais me fier OK, fantastique, tout le monde! On la connaît. On aide la madame! On peut coucher dans la rue sans se faire piler dessus. Y a des
Les magasins sont ouverts très tard. Et le soir, on peut se piquer dans la rue en mangeant les bourgos. Il y a des policiers qui tirent dans les flaques d'eau. Les poils du ventre dans mon verre sont verts. Rebecca McConnell, mesdames et messieurs. Après la pause, Sonny Duval, chanteuse.